Pensez pour Ophélie qui bouffe des VOD d'animaux depuis 3 mois. Ah, Ophélie, elle est au... Ophélie, elle est au charbon. Ophélie, elle zone à fond. Elle nous régale. Tac, ok, c'est bon. Ophélie n'a que 16 ans. Non, non. Elle a juste posé une cave au milieu de la campagne australienne. Ça, c'est du divertissement. Ah, moi, j'aime trop. Vraiment, ça me régale. Je télécharge les deux d'un coup, j'en ai rien à foutre, là. On se met tout. Est-ce qu'il y aura des vidéos d'araignées? Putain, on sait pas. Plus, parce qu'Ophélie est alternante et cette semaine, elle est pas chez nous. Cette semaine, elle est à l'école. Ophélie ne sera pas sur le chat ce soir. Donc, peut-être qu'il y aura des animaux, peut-être pas. Warning pour les arachnophobes. On est en sans filet. Si vraiment ça vous trauma, genre les serpents, etc., je vous conseille peut-être pas. Je vous conseille peut-être de passer, quoi. Mais pour l'instant, généralement, elle en met pas. Parce que c'est chiant souvent les araignées. Il y a personne qui dit oh trop bien putain trop énorme la vidéo de l'araignée là qui saute sur tu vois ça arrive rarement quoi. T'as vu Inox, il a fait un accident. Ouais, j'ai vu, il s'est fait emboutir sa caisse là. J'espère il a rien de grave. Je crois qu'il a rien de grave d'ailleurs, mais j'espère. Juste les serpents, quelle horreur. Ah, j'aime pas non plus. Hein. This here is Jim. Oh là là, magnifique ça. On est déjà parti. C'était très fort, non? Hop, rien. Ouais, j'ai vu le c'est le pare-choc là qui est tombé. Croco, ce serait incroyable, c'est trop impressionnant. Mais qu'est-ce qu'on va avoir dans cette nouvelle soirée React Animaux? Alors là. Hop. React Animaux Dangereux, OMG! Et entre parenthèses. En vrai, je mets 22h, mais va savoir 21h30. Dans 30 minutes, je suis sur LOL. Hop. Parfait. Regardez, ça commence avec quoi? Ça commence pas avec une grosse bestiole, là? Ça rigole pas, ça? Ça rigole. Attends, mais pourquoi on a... Merde, je me suis planté, j'ai mis Dangerux. C'est Dangerex? Ah ouais, j'ai... Ouais, c'était difficile. C'était difficile, tout va bien. Dangereux. La grosse bête. Bon alors. Nouvelle petite compile qui nous régale d'animaux. Un animal dangereux, OMG? This Non. here is Jimbo and Jim. Oh. One is a bear, one's a guy. And in all honesty, Oh, ils s'aiment not trop? sure who's who. I mean, the names are close, but Oh, the two beings are also close. et les deux, ils se Very kiffent close. trop. Look at this. You can hardly even separate the two. They're joined at the hip. And it goes without saying. No, not that this bear is clearly a great cuddler. Non mais attendez, regardez les griffes de l'ours. Oui, j'ai fait une faute. Attendez, j'ai fait une faute. Oui, j'ai écrit dangereux avec GEUI. GEU. Vous savez ce que c'est qu'être streamer? Mais attends, je ne sais plus écrire dangereux là. Ah oui, tu mets... Oui, non, en effet. Oui, il y a eu un petit problème, il y a eu un petit problème, il y a eu un petit problème. Voilà, c'est bon. Corrigé, chef. Mais Guy, c'est magnifique, quoi. Je comprends pas pourquoi, mais en diffusant avec ma Chromecast sur ma télé, j'ai toujours le stream qui bug. Et ça... Mais ça, je comprends pas. Moi, je dois envoyer trop de mégapixels. Je vous envoie trop de, je vous envoie juste trop de bitrate. Du coup, les télés, elles peuvent pas assumer. Mais attendez, mais regardez, mais c'est vrai qu'il a vraiment un museau Very et tout, quoi. close. Mais Théma, Look les at this. griffes. You can hardly even separate the two. They're Oh, mais il a joined l'air at the trop hip. gentil, And it lui. goes without saying. No, not that this bear is Des clearly a pixels. great cuddler. But this is crazy. He's cuddling with a bear. Mais il a l'air What a fluffy énorme, pillow, l'ours, huh? par contre. Ça fait combien de kilos, un ours? Faut mettre en This guy 720p pour pas just que ça got bug sur home le and he's TV. looking for his best friend. It's been a long day. Where is that best friend Ah, of mais il va mine? nous mettre la voix off Oh, tout le temps, here he lui? comes, waddling over. And it's some type of huge lizard. And it's acting like a dog. Ça fait combien? Vas-y! Au plus proche, là. Au plus proche, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait dans Popcorn. Vous dites combien, un ours? Genre un ours, les plus gros, c'est 850. J'ai aucune idée de combien de kilos fait un ours, quoi. Un ours mâle adulte, tu vois. Un ours mâle adulte, la taille, le poids moyen. Ouais, je pense qu'il nous envoie facile du... Il nous envoie facile, ouais, du... J'aurais dit 600, 700, moi. Quelle espèce? Ouais, c'est vrai qu'ensuite, il y en a des différents, quoi. Mais... 700 environ, vous dites, vous. Poids moyen ours. Entre 80 et 600 kilos. Merci Google.
Une masse corporelle de 130 à 700 kilos. Ah oui, bah c'est... Faut encore moins se mouiller, là. Non, mais là, c'est un ours brun. Mais en même temps, ours polaire, c'est les mâles pèsent en moyenne entre 400 et 600 kilos. Mais peuvent peser... C'est où le mais peuvent peser? Jusqu'à une tonne. Wow, une tonne. Et les femelles, entre 200 et 300. Ah, les femelles, ça va, hein. Avant d'hiberner, ça doit devenir fat. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils ont leur rota aussi. Ça court à 50 km/h, l'ours. Capable de courir à 50, c'est également un excellent nageur qui peut se déplacer dans l'eau à 8 km/h. Et aller à plus de 100 km des côtes. Mais attends. Comment il fait 8 km/h C'est-à-dire, il nage non-stop pendant 10 heures, le man? Parce que ça flotte pas, quoi. C'est un ours, quoi. Comment ça, à 100 km des côtes? Le gars, il se fait 9 heures de nage, quoi. Non-stop, quoi. C'est l'animal ultime. Aller-retour, en plus, triathlète. Il nage 2 jours sans s'arrêter à 8 km/h, quoi. 8 km/h, c'est quoi? C'est Manodou, 8 km/h. J'ai du mal à me rendre compte. 8 km/h, c'est vrai que c'est de la marche rapide, quoi. Tu marches très rapidement. Mais ça, c'est ours polaire. Donc ça, c'est normal. Les ours polaires, eux, ils n'ont pas le choix. Plus de banquise, tout ça, ils sont obligés de... Je suis en train de s'adapter, là. Et eux, bon, bah, les ours bruns, les ours... Non, mais ça doit être le grizzly, ça doit être un... Waouh, mais le grizzly, déjà, il a plein de boss, lui. Il existe entre 30 000 et 45 000 individus. L'ours Kodiak. Ouah, le grizzly, c'est vrai qu'il est stokos, hein. Sa masse... Ah bah non, tu vois, sa masse, elle varie de 190 à 350 kilos. Assez faible, son poids est assez faible comparé à certaines autres espèces. Ah mais du coup ça doit être athlétique de fou. Eux ils doivent aller vite. Eux ils doivent pouvoir mettre des bonnes petites pressions là, régime alimentaire. Vitesse du grizzly. Moi je vais taper direct, vitesse grizzly. C'est ça qui va hyper vite là? Ah ouais, 56 hein, tu vois. Bon il met un petit 6 km/h à l'autre quoi, mais... Et c'est quoi le Kodiak du coup? Kodiak c'est une légende? Ah ouais, lui c'est une légende. Ah, lui, c'est une légende. Ah, mais c'était un Kodiak, du coup, qu'on a vu, là, dans le React. C'était exactement le même mec... Enfin, le même mec... Lui, c'est un Kodiak. Lui, là. What a fluffy pillow, hein? Ah, c'est vrai que c'est présent, quoi. C'est quand même présent. Mais c'est vraiment les griffes, là, c'est... Kodiak, c'est une île... Oh, ouais, mais attends, mais c'est énorme, le Kodiak. Ah, ouais, c'est... Attends, ça fait combien, ça? Île Kodiak, non, ours Kodiak. Sous-espèce d'ours brun, à l'instar du grizzly avec lequel il présente beaucoup de similitudes. Mais donc c'est que dans les archipels Kodiak. Situé au sud de l'Alaska. 400 km, hein, putain, il n'y a pas grand monde. La taille des mâles dépasse 3 mètres de hauteur quand ils se lèvent sur leurs deux pattes arrière. 1,50 m au garrot. Leur masse peut atteindre 850 kg. Ah ouais, non mais... Le record est détenu par un mâle mort en 1987 qui pesait 1090 kg. Putain, c'est toute l'équipe des héros du gazon, quoi. Oh, ça fait quand même... Il les prend tous, quoi. Ah ouais, donc un petit Kodiak, quoi, pour commencer. Regarde l'élan. Attends, t'es tout nouveau sur les lives React Animaux, quoi, toi. L'élan. C'est... Putain, mais ça, c'est... Lui, il m'impressionne, quand même. Hein. He's cuddling with a bear. Par contre, t'es pote avec un ours, c'est quand même fou, hein. Il vit sa meilleure vie, lui. This guy just got home and he's looking for his best friend. Et ça, c'est quoi, du coup? Long day. Where is that best friend of mine? C'est un lézard? Here he comes. Waddling. La culture animaux. Excusez-moi, vous êtes un lézard? And it's... Non, mais c'est vrai, c'est quoi, ça? Parce que c'est pas un dragon de... C'est un iguane. C'est un iguane, cette... Huge lizard. And it's acting like a dog. So what is that dog lizard? Wow. Sure appreciates and shows affection. Non, mais attends, parce que moi, j'étais allé au Mexique, les iguanes, c'est un délire. C'est-à-dire que les iguanes... Non, mais là c'est encore plus un délire. Parce que là, le gars, si tu veux, il fait le trip d'un caniche. Donc... Ah, mais genre les petites... Attends, ça, c'est... Est-ce que c'est pas un dragon de Komodo, ça? Qu'est-ce qu'un dragon de Komodo? Dragon de Komodo, est-ce que ça avait à peu près cette tête, le dragon de Komodo? J'y suis pas du tout. Oh, bah, putain, en plus, j'y suis pas du tout sur le dragon de Komodo. Non, c'est iguane géant, quoi. Iguane géant, ouais, c'est ça. Mais moi, au Mexique, ça m'avait fait bader, hein. J'avais vu des trucs, c'était monstrueux, hein. Genre, et à un moment, il commençait à attaquer, hein. Attendez, oh, ça va être très chiant. Là, je pars sur un truc où je crois que c'est une erreur. Bon, allez, je le tente quand même. Je le tente quand même, mais je vous le dis, ça peut être très rapide.
Parce que je me souviens de... Ok, c'était là. Bam, bam. Est-ce que... Ah ouais, il y avait les petits... T'avais des sortes d'écureuils un peu aussi, là, les... Aguacaté, là. Un truc un peu... Pas vraiment aguacaté, mais... Mais là-bas, au Mexique, t'en as tellement... Ouais, mais du coup, forcément, ça ne peut être que moins impressionnant, quand même. Ah, mais quand même, hein. Ouais, mais c'est moins impressionnant, vous allez pas être... Là, vous allez plus être sur le cul, quoi. On vient de voir un truc, le truc, c'est un cheval, quoi. Là, là, on dirait que j'ai zoomé et tout, en plus, là, vous allez pas être... Tu vois, là, mais c'est quand même des petites bêtes où t'es en mode, le truc, il est au milieu de la route. Genre, lui, je crois qu'il essayait d'embrouiller, lui, là. Lui, je crois qu'il essayait d'embrouiller. Et en fait, lui, du coup, bon, c'est vraiment des vidéos de merde hein, que j'ai. C'est... C'est-à-dire que, bon, c'est vraiment... En fait, à un moment, il s'est mis au milieu de la route et plus personne pouvait passer. Parce que, tu sais, genre, il arrive et il met une pression. Et t'es en mode, bon, vas-y, moi, je suis venu voir un parc. Laisse-moi tranquille, quoi. Ah bah, regarde. Ah, elle, mais elle, c'était une folle d'avoir fait ça. Hein. Regarde, là. Merde. C'est nul à chier, mes vidéos! C'est vraiment... Ça, c'est rigolo. Ça, c'est mignon, parce que c'est un petit animal qui... je sais plus comment... Alors, c'est un mix de renard, d'écureuil, un peu de tout... Aquaté, aguaté, agaté, aquaté, vous, un coati, c'est exact. Alors, je l'avais plus, mais c'est un coati en fait. Je me suis, c'est pas, y a rien qui va. Mais ça, je vous ai montré quand j'étais rentré. C'est... Attends, c'est merveilleux. Oui, bon, c'est pas exactement la même chose, quoi. C'est quand même pas mal hein, comme petite bête. Hein. Tu vois, il vit sa vie. Hop, il a la queue en l'air. Il a la queue en l'air et du coup... T'avais le A. Non, mais... le React qui part en live... live. Non, mais c'est parce que c'est des... Non, là, j'ai une belle vidéo. Là, j'ai une bête de vidéo. Regardez ça. Merde, putain, j'ai pas la bonne scène. Oh, attendez. On est sur une bête de vidéo, là. Là, regardez. Et ça, c'est un petit... Voilà, il fait sa vie. Mais avant, il y en avait plein. Au tout début de la vidéo, il y en a plein. Là, il y en a trois, là, par exemple. Là, il y en a trois. Qui vivent leur vie, là. Ici. J'ai l'impression d'être votre oncle qui rentre de vacances et qui vraiment insiste au repas de famille. Et tu sais, qui ne lâche pas, qui te montre toutes ses vidéos. Et là, en fait, c'était la piscine de l'hôtel. Et bah, en fait, le deuxième jour, moi, j'ai pris un grand whisky coca. Voilà. Et ensuite, bah, il y avait des super pizzas. Des super, super pizzas, parce qu'il y avait un pizzaiolo. Oh là là. Et tu sais comme j'aime les pizzas, en plus. Hein. Oh, moi, c'est... Bon, allez, vas-y. C'était nul. C'était nul, il n'y a pas de souci. Je travaille avec des coatis, c'est vraiment les plus mignons. Voilà. Yeah, you should want to guard your sleeping baby from cobras. Pourquoi il y a un cobra énorme là? Pourquoi il y a un cobra énorme en 280p là? On the lookout, coordinated effort. Give him some walkie-talkies and you got a secret service without fee. Là, le bébé, il est gardé par des cobras? This beluga whale's adorable. She's a fun-loving. Mais ça, on sait jamais si c'est des trucs de genre ils sauvent les animaux ou c'est un peu un Marineland quoi, tu vois. Whale by the name of Tina. And she only has eyes for this male zookeeper. Oh, mais un petit beluga. Her favorite. She wants to hang out with him all day. And if he isn't paying enough attention to her, what do you think happens? Exactly. Spit attacks. Shooting with distance and accuracy. Oh, lui, il a l'air cool, lui. Oh, sa tronche, là. Oh boy. Avec son gros cerveau. On this boat, the one that the gators just swim right up to. Yeah. C'est le rewind des animaux. Don't worry, I guess. They're friendly. Wow, mais jamais de la vie, je fais ça. Moi, ça me terrorise, les alligators. Relou le mec à faire le commentateur, j'en peux plus, lui. On va le muter, hein. Ouais, mais là, du coup, ils sont... Oh, ça, c'est un beluga à nouveau. Oh, en vrai, c'est juste qu'il va y avoir des bruits qu'on n'aura pas. Hop, on va baisser, hein.
Ophélie, elle a rien compilé. Non. C'est vrai que lundi, quand Ophélie va rentrer de la semaine d'école, on reparlera peut-être un peu du travail sur les compiles. On va peut-être rebosser un peu sur exactement ce qu'Ophélie fait dans ses vidéos. On a deux, trois questions. Petite fille, qu'est-ce qui est... Ah ouais, mais ça c'est un boa constrictor, ça. Wow, mais ça, c'est des gens qui... Il y a deux mecs comme ça, mais attends, mais tu lui marches dessus, est-ce qu'il te fait un truc? Après, eux, ils te mordent pas, je pense. Eux, ils te font... ils t'étouffent juste. Donc au moins, c'est juste beaucoup plus lent, quoi. Lui, il te fait juste une clé de bras, quoi. La pauvre, elle va voir ça, elle va stresser. Non, Ophélie, on t'aime, y a pas de... Oh! Ça, c'est génial, par contre! Il va savoir, là, il se tape, hein. Là, on sait pas, mais ils sont peut-être en train de s'embrouiller de fou, hein. Ouais, il se tape. Je crois qu'il se tape, hein. Nous, on se dit que c'est genre en mode c'est l'amour et tout, là, ils sont en baston, hein. Là, c'est genre la tape de l'année, hein, pour eux. Là ils l'ont prévu depuis genre 3 mois. Là, il y a un bruit de... C'était comme... Hein? Oh! On sait pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est bon, il n'y a plus le commentateur. Oh, Ophélie. C'est quoi cette merde? C'est Ibai contre Kamel. J'avais dit que ça allait arriver. Et c'est quoi ce truc là? Il a un souci de modélisation. C'est un kiwi, non, c'est pas un kiwi. Oh, ça c'est trop beau. Oh, un lynx qui a attaqué un serpent. Oh, oh là là, l'esquive! L'esquive du lynx! L'esquive du lynx! Mais c'est exactement ce qu'on veut. Ouah, derrière, il lui patate la gueule. Oh, le lynx, comment c'est sublime comme animal. Les félins, c'est trop beau. Oh bon, ouais, c'est fini pour le... Oh, oh là là, c'est chaud, hein. Il met des petites claques, mais attends, par contre, il a... Oh, ça va être trop mignon, ça. Mais attendez, je dois revoir juste l'esquive du lynx. Là, l'esquive, elle est légendaire, hein. Est-ce qu'il... Oh, attends, mais la réaction! Ah, je pense qu'il se fait peut-être toucher, quand même. Mais là, le pauvre serpent, il a aucune chance, quoi. Le pauvre serpent... Ah, le mec, c'est... Là, c'est déjà la 12e patate qu'il prend, le serpent. Le serpent, il en peut plus. Il en a un putain enfoiré. Laisse-moi, c'est bon, j'ai compris. Ma lynx, le lynx. En même temps, il regarde un peu. Mais c'est vrai que le lynx, c'est vraiment beau comme animal. Non, ça a une toute petite queue. Étonnant, ça. Pourquoi ça a une si petite queue? C'est étonnant quand même d'avoir une si petite queue là, comme ça. Non mais c'est... Non ça... Toi les chats, non mais... Tout... Là c'est bizarre un peu, on dirait... Ouais. Les amis... C'est bande d'enfoirés. Non mais c'est bizarre, non? Ça me choque, c'est la même. Oh mais qu'est-ce qu'il fait? Les lions ils ont pas une grande queue. Petit shaker de prot. Bon, ceci étant dit. Oh non, il arrive pas à monter, le petit ours. Mais ils ont une tête énorme. Oh non, il panique, il crie. Oh du... Ah ouais, la maman, elle vient de dire... Ouais, oh, bah ouais, bien ouais, t'as bien raison. Ça défend le terrain, qu'est-ce que tu regardes mon... Attends, l'autre, il se fait un kiff à filmer le petit ourson qui n'arrive pas à monter. L'ourson, il panique. Il se dit, putain, en plus, je suis regardé, j'ai pas envie de ça. Lui aussi, il a des angoisses, hein. Le gars, il se sent humilié. La daronne, direct, réaction. C'est très chiant de faire 10 secondes avant. Ah, parce qu'il a vu la voiture, en vrai. Il a vu la voiture et il s'est dit, merde, faut que je me casse. Et c'est de la neige, donc le truc, ça s'effondre. Oh non, mais le bruit est horrible. Le bruit... Il est en panique de fou, le petit. Hein. Oh, c'est horrible. Non, c'est horrible. Elle a bien fait, la mère, de démarrer. Hein. Regarde un peu, là. Au début, elle est en mode, je démarre. Allez, je le fume. Ah, t'as bien raison. Bien joué, ça. My God. Bien joué. Comment je peux faire pour m'abonner grâce à Prime? Oh, les gens vont me donner des astuces dans le chat. J'imagine. Merci, Faxous, d'ailleurs. Et lui, les épaules, lui. Lui, il est... Lui, il fait quoi? Lui, il a kiffé le pneu, lui. La roue de secours, il s'est dit, c'est pour moi. La grâce du lion. Le lion, c'est vraiment le plus bel animal. Un alligator traverse la route avec les... Ah, et autour, c'est les vautours! Mais attends, mais il a quoi, juste? C'est quoi, là, qu'il a chopé, là? Il a un filet de pêche, le gars, ou quoi, là?
Mais c'est quoi qu'il a récupéré? Parce que... Genre, il a quoi? C'est un serpent? Non, c'est pas un serpent. C'est un serpent, cette merde, là? Leur pote. Bah non, c'est pas un piaf, ça. Une peau de serpent. Non, mais c'est bizarre, il est pas pris dans un filet. Les vautours font la circulation. Non, je pense qu'il est pris dans un filet, en mode. C'est plus... Je pense qu'il est en galère, l'alligator. Mais c'est pas non plus les vautours qui attendent que l'alligator crève. Mais du coup, ils font quoi? Ils pensent que les oiseaux sont des cormorans, je pense, père. Putain, vous êtes spécialiste, vous. Non, ça escorte, hein, un bout de carcasse. Bah, soit c'est un bout de carcasse, mais tu vois, là... Bah, après, on sait pas trop avec des... Tu vois, là, ça fait un peu, quand même, filet, quoi. Après, je sais pas. Oh, c'est des moufettes. Mais c'est incroyable, le skin qu'ils ont. Mais ça, c'est incroyable, ça. En plus, ils regardent le vélo, ils sentent... Mais... Ah, c'est des putois. Ah. Je suis désolé, je suis le pur parisien, j'ai jamais vu de putois de ma vie, moi, je crois. Un raton, des ratons laveurs. Et c'est horrible à ce point, l'odeur. Très dangereux, les moufettes. Mais c'est différent, moufettes. C'est quoi la différence entre les... Ah, oh, c'est beaucoup plus mignon, déjà, les moufettes. Hein. Enfin, quoi que le putois, t'es pas chum-chum. Tu vois, c'était pas... Non, c'est des moufettes. Et qu'est-ce qu'elles ont, du coup, les moufettes? Ils sont une famille de mammifères carnivores. Leur alimentation est opportuniste. Ouais, c'est des... Elles sont réputées pour leur sécrétion de liquide malodorant en cas de menace. Moi, j'ai jamais senti horrible. Ce sont des moufettes. Et moufettes comme putois, ça pue la même? Ça pue, tu veux pas te faire arroser? Crois-moi, ici au Canada, on en a plein. On en a, nous, en France? C'est où? Seules deux espèces sont présentes en Asie du Sud-Est, toutes les autres sont américaines. Ah oui, nous, on n'a pas ça en Europe, en fait. Nous, on a juste les putois, quoi. C'est dangereux de fou, pas en France. Nous, c'est les putois, ouais. Mais c'est vrai que putois, on a Amine. j'ai pas voulu rentrer dedans, tu vois. Mais il y a tellement de gens qui ont fait cette blague, le pauvre Amine. Ça restera à vie, hein. Je l'ai vu au début, je me suis dit, bon, ils vont peut-être pas la refaire. Vu que des gens qui sont en mode, oh, il a pas dû voir. Parce que nous, on a Amine, hein, PA, tu l'as senti, donc t'as forcément senti un putois. J'en ai un à la maison. Et du coup, putois et... Parce que ça a un peu une gueule de furet, quand même. C'est quoi la diff entre le furet, forme domestique, du putois? Ah, mais c'est la même, en fait. Ces animaux... Ah, le furet aussi, ça lâche une glande qui pue? Parce que le furet, ouais, c'est un peu devenu animal domestique. Oh, putain, à Paname, tout à l'heure. Je sors du métro, je vois quoi? Strasbourg-Saint-Denis. Regarde, je marche sans faire exprès. Un énorme rat mort juste à côté de Strasbourg-Saint-Denis, du coup, la porte, là. Ah, le putois n'existe plus à l'état sauvage. Ah, mais furet, du coup, celui de la porte. Ah, tu l'as vu aussi, Max? Un délire, la taille du rat. C'est... ah ouais. Au pied de la porte, ouais, ça fait 2 semaines. Bah, je sais pas, je passe pas tous les jours... T'as pas voulu l'enterrer? Il est couché sur le dos. Ah mais Max, tu fais quoi tous les soirs avec? C'est-à-dire que... Max, tous les soirs, tu passes exactement par cet endroit, quoi. Il a fait une petite photo, en souvenir. Il s'est dit, oh bon, bah comme ça... C'est chelou, quand même. Inox. Ah, Inox, Laura. Putain. T'as vu Ibai, genre. Ibai, Laura? Ah bon? Oula. Bah merde. Oh non, c'est un paresseux, ça. Demande à Inox s'il a déjà eu du liquide de moufette dans son shampoing au Canada. Oh putain. Bon, en tout cas, c'est sacrément mignon, quand même. Mais c'est là où c'est dur, parce que c'est vrai que tu rencontres ça dans la nature, tu peux avoir envie de la belle histoire, quoi. En fait, le truc, ça t'asperge la gueule et c'est terminé, quoi. Oh, il y a un petit paresseux qui vit sa vie. Oh, lui, il a coupé un arbre, il a coupé un bambou. Ah bah ouais, lui, il a trop cru qu'il était chez lui, lui. Ah, lui, il est venu, il a cru qu'il était à la maison, le bâtard. Le gars, il l'a pris par dessous les bras, en mode, allez, on y va. Lui, tu sens qu'il est expert. Lui, il est un bambou, c'est un expert de... Tu vois, il veut pas faire de mal aux paresseux. Oh.
Et comme ça, il a traversé, il est content. Ah bah super. Dans une canette de... Dans un verre de McDo. Ah, il a été déposé sur la benne à ordures. Bah ça, bah top. C'est dangereux le paresseux, ça te défonce. Genre attaque de paresseux par exemple sur, sur YouTube, c'est une ambiance. Le paresseux, il paraît sans balle. Putain, météo russe. Tu me donnes juste envie de dire fuck la caca box là. C'est vraiment Théorus et Grimm, quoi, qui là, tout d'un coup, nous... comment survivre à une attaque de paresseux? La survie du paresseux. La violence extrême du kangourou. What? Baston de paresseux. Oh, la caméra, frère. Ah oh, ouais, que les griffes, Nathalie. Ah oh, putain, la caméra, zoom pas, zoom pas. On va pas profiter. Oh, Thaïs, c'est un cauchemar. Là... Oh, le cast. 2012. Non, c'est vrai. Non, c'est juste qu'elle zoom, mais sinon on le voit pas, quoi. Eh, on a le droit à un petit cast, hein. Petit Costa Rica, petit cast. Les amis du sud. Ça va vraiment à deux à l'heure, quoi. Ah, petite analyse, petit débrief de Nat. Oh là là, il le poursuit, va-t-il le poursuivre? Non, mais c'est vrai que du coup, c'est par rapport à ce qu'on nous a. Comment survivre à une attaque de paresseux? Ah, lui, ah bah lui, c'est une goule, lui. Hein. Ah, c'est-à-dire que lui, il est démoniaque, lui. Bah attends, il est en train de le niquer, l'autre aussi. Bah attends, mais l'autre, il le torture! Son camouflage a fonctionné. Ah, qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Vous êtes tombé dans ses griffes acérées comme des lames de oh, rasoir. Putain. Ne vous laissez pas le futur Marvel. Par le faciès souriant de cette terrifiante créature. Vous êtes aux portes de la mort, mon ami. Il est temps de vous battre pour votre vie. C'est quoi cette vidéo? Voici comment survivre à une attaque de paresseux. Les paresseux vivent dans les forêts tropicales chaudes et humides d'Amérique centrale et du Sud. Ils peuvent mesurer jusqu'à 60 cm et ils ont des griffes massives et courbées de 10 cm de long. Oui, mon ami, elles sont aussi grosses que celles d'un tigre. Et même s'ils passent la majeure partie de leur vie dans les arbres, les paresseux descendent parfois au sol, généralement pour déféquer, ce qu'ils font une fois par semaine. Mais ne sous-estimez pas. On s'est pris un troll de 1er avril. Mais du coup, c'est flingué, les attaques. Mais par contre, lui, on aurait bien aimé savoir ce qui se passe derrière cette vidéo, parce que là, il y a clairement un souci. Hein. Cet individu, clairement, a fait du mal à cette bête-là. Là, c'est vraiment de... C'est terrible, hein, ici. Hein. Ça, c'est une vidéo à part. Regarde les vidéos de l'Américain qui se fait piquer par les insectes. Oh non, c'est flemme. J'avais vu, c'est pas le mec qui s'est fait injecter du poison de... Il veut le déloger, je pense. Ah, mais il lui tire. Il est malveillant. Ah, on sait pas. Hein. Ça, on sait pas. Hein. Bon, on retourne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un gopher. C'est quoi? C'est genre un petit... Un petit rongeur. Oh, il est keblo le petit rongeur. Qu'est-ce que je fais? Ouais, oh, c'est mignon. Smart, elle lui a mis des petites mains, tu sais, pour faire la courte échelle, quoi. Ah, il essaye de s'extirper, mais comment il s'est retrouvé keblo? Oh, il était enfoui en plus, hein. Un incident inhabituel a été capturé en Thaïlande. Il est mort? Oh bah c'est hardcore. Un éléphant mort au milieu de la route. Il dort. Comme vous savez. Oh! 20 minutes, les gens ont attendu que l'éléphant dorme assez. Oh la folie! Sacré réveil, hein.
Ah, c'est... c'est... Ah, en effet, c'est... Oh, putain. Ah, bonjour. C'est le matin. Beau bébé. Ah, c'est les kangourous qui se tapent, là. Ah, mais les kangourous, c'est vraiment... Allez, mais qui lui met des high kicks, du middle. Il se fait démolir. Hein. Oh, il y a une belle patate. Ah, les kangourous... Il lui reprend à la gorge et tout. Et les kangourous, ça rigole zéro. Hein. Mais attends, lui, il a un middle kick. Il a un middle kick qui est vraiment, mais... Ah, ça, à la place de l'autre, je me... Non, bah, il se fait démolir. Ça me termine comment il baisse la tête. Il envoie la tête en arrière. Oh là là! Ah, mais c'est vrai que par contre, l'Australie, c'est vraiment le pire pays. Un dindon fait traverser son harem. Belle vidéo. Il show off. Ah, il y en a une, elle est passée derrière, elle comprend pas. Eh, qu'est-ce que ça fait là? Hop, il a fait passer tout le monde. Gentleman. Mirasu. Chachila. Et Karl, regarde, c'est une biche. Ah, Mathieu. Elle est en plein de la route. Elle s'est arrachée. Dominique. Axel Red. Dominique. Elle bouge pas. Elle a une grosse tête. Ah, mais encore un paresseux. Vamos, filho, que o trem tá ali, ó. Ó, o trem esperou. Legal que o trem esperou. Eles attendem que passe. Vamos, filho, que o trem tá vindo. Ah, mas c'est sa tête là? Non, il a un petit, non? Ah, oui, il a un petit. Ah, il avait son petit aussi. Ah, la vie de merde quand t'es un paresseux, putain, l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. C'est quoi? Attends, je comprends pas. Mais y'a un chat qui est en train de se faire goumer là? Ah ouais, là. Oh, mais c'est horrible! C'est un serpent contre un chat. Oh, mais c'est horrible! Arrêtez, on va pas voir la mort d'un chat en direct là! Non, il va bien. Oh, mais what the fuck? Attends, mais c'est hardcore, mais... C'est hardcore, mais c'est quoi cette vidéo, là? Oh, l'autre, il a mis un... Oh, mais le serpent! Le serpent est titanesque! Ah, c'est bon, le chat va bien. Wouah! Laissez faire la nature, OMG. Oui, mais bon, là... Oh, le chat, il est trop marrant. Mais le serpent! Bah, c'est bon, laisse-le partir maintenant. Il a le droit de. Bah c'est quoi là? Ça se barre en couille la nature là. C'est-à-dire que c'est pas censé. Laissez faire la nature, bordel! Non, attendez, excusez-moi, j'ai juste besoin de. Non, parce que des séances de tir au but comme ça. La dernière, c'est 2006. Hein. Non, c'est quand même. Mais le mec, il a hésité de putain. Mais c'est vrai que c'est quand même un truc de se dire putain, mais genre. Qu'est-ce que tu fais, quoi? Moi, les serpents, je vais pas mytho, ça me terrifie. Genre, les serpents, ça me terrifie, je fais rien. Lui, il s'en bat les couilles, par exemple. Oh non, mais le coup qu'il met, mais c'est un délire. Si c'est ton chat, bah si c'est ton chat, c'est différent. Ton chat, t'y vas. Mon chat, je sais pas ce que j'aurais fait, tu vois. Le chat, si c'est mon chat, je sais pas ce que j'aurais fait. Mais c'est vrai que c'est une vraie question de comment tu fais tèche le serpent, quoi. Le serpent, il est vraiment stratosphérique, quoi. Le truc, il faisait 1m50. Trouver un bâton, je pense que c'est bon plan. T'aurais laissé ton chat mourir. Non, mais mon chat... Il y a peu de situations où mon chat se fait étouffer par un serpent, tu vois. Peu importe le chat de qui, je me jette dessus, what the fuck. Ouais, c'est vrai que... Bah, frère, t'as un boa de 2 minutes. De 2 mètres en face. Tu vois, genre... Honnêtement, je pense que je l'explose si c'est mon chat. Si c'est pas mon chat, je me pose des questions.
En étant honnête, hein, un peu. Après, c'est différent aussi parce qu'il y a, un truc où nous, on n'a pas d'animaux domestiques dans. Enfin, les chats, si. Les chats, pour le coup, si. Mais par exemple, t'as plein d'endroits, genre des chiens, t'as des chiens errants partout, tu vois. Nous, on n'a pas de chiens errants en France. Typiquement, à La Réunion, etc., t'as beaucoup ça. T'as beaucoup de chiens juste qui se baladent, etc. Je crois qu'à La Réunion, les chiens sont même en fonction. Genre, tu tombes sur un gang de chiens dans la mauvaise rue, c'est eux qui te démarrent, quoi. Donc. Thaïlande, ouais, Thaïlande. Thaïlande, il y a du serpent, quoi. Thaïlande, t'as un boa constrictor au milieu de la rue, donc c'est autre chose, quoi. C'est un boa, il a pas de venin. Et le boa, du coup, il peut vraiment que te constricter, quoi. Il peut pas te mettre même un coup de mâchoire ou... Portugal, chien errant. Non, mais dans beaucoup, beaucoup de pays, en vrai, les chiens errants. Les chiens errants, c'est pas très loin de chez nous, quoi. Il te broie, quoi. Il n'y a pas de mâchoire, le con. Ça mord aussi un petit coup, quoi. Juste, il n'y a pas de venin, quoi. Tu abuses un peu pour La Réunion. Je sais pas, c'est qui? C'est Seb Melia qui est réunionnais qui racontait ça. Et quand j'étais allé à La Réunion, bah tu vois des chiens errants, quoi. T'es pas non plus en mode chaque chien errant, putain, je vais crever, hein, loin de là, hein, c'est pas du tout ça. Mais forcément, qui dit chien errant, dit de temps en temps. Ça... Non, mais ça, par contre, qu'est-ce que. Un éléphant de merde. Pardon. Un éléphant de merde qui s'était perdu sur une route au Chili. Mais. Oh, mais il est accompagné, mais c'est incroyable, il finit son marathon. Allez, 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 allez. Vers la mer. Il l'aide à retourner dans l'eau parce qu'il s'était perdu. Oh, c'est incroyable, ça. Ah non, il voulait tourner à droite. Oh, vers l'eau. C'est Gigi au Big Nine. Oh, incroyable. Oh, le rhinocéros. Oui. Un rhino conduit un homme en haut d'un arbre. Oh, lui, il est pas au max. Hein. Oui. Mais il y a un... Oui. 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 Ça essaie de... Allez, notez, hein, si jamais vous avez un rhino, oui. C'est peut-être... Oui. 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 Ça a l'air de bien marcher. Ah, c'est con, hein. Moi, je prends note, hein. Wouah, hippopotame, animal le plus dangereux du monde. Wow. Wow. C'était juste qu'il nous a présenté la mâchoire. La mâchoire, elle s'ouvre. Funny little animal on the... Oh, mais il est paniqué. C'est pas un tapir, un truc un peu comme ça, là? Il a juste bâillé. C'est pas un peu... Un tamant de doigt. En vrai, c'est des chiens parce qu'il doit être en panique, panique max. Il est paniqué là. Ah ouais, là, il est terrifié, je pense. Hein. Il se fait suivre par un mec qui le filme avec un flash. C'était quoi l'animal? Tamanoir? Il y a combien d'espèces de mammifères? Tapir, c'est... Ah non, tapir, c'est un peu plus poussé le nez. Le nez, c'est encore un peu plus... 4-5. Un tapir, il y a un truc. Mais du coup, un tamanoir. Ah ouais, quoi. Ah, mais c'est eux qui bouffent les fourmilières, là. Enfin, les fourmiliers et tout, là. C'est ça, non? Également nommé fourmilier géant. Ah, c'est ça. C'est vraiment leur... C'est leur cam, quoi, du coup. Amérique centrale et du sud. Nous, en Europe, on n'a pas tant de dingueries niveau animaux, quoi. Tu vois, c'est au moins une imo. Mon angoisse, cet animal. Eux ? Bah, eux, ils ont l'air détente, non ? J'avoue que eux, ça a l'air d'aller quand même. Enfin, après, je sais pas. Hein. Mais bon. Ah, les pigeons, pas sauvages en tout cas. On les a tués, miskines. Ah ouais, nous, on a éradiqué. Pas de dinguerie niveau animaux et les Espagnols. C'est un mix. 8 millions d'espèces environ. Ah ouais, mais c'est le feu d'apprendre parfois, de découvrir des nouveaux animaux que tu connaissais pas. Quand c'est pas des insectes ou des trucs un peu sombres, parce que, tu vois, dans les types d'animaux, y en a beaucoup, quoi. Bon, on s'en remet une petite. On s'en remet une petite et ensuite, ça part en BO diamant, là. Comme ça, on s'en remet une. En plus, ça commence fort, là, celle-là. Celle-là, je vous le dis, boum,
Directos. Directos. Il y a des petits yeux dans la pièce, là. Là. Oh là là, l'angoisse. Le truc fait encore 1m50, ça. Oh là là! Mais un truc qui rampe au sol, c'est forcément horrible. Ah, putain! Oh là là, t'imagines, tu te fais niaquer par un serpent parce que dans ton sommeil, t'as bougé. Mais en fait, là, il est curieux, quoi. Il se dit quoi? Oh bah non, on va... Oh! J'ai attaqué, le con! Mais pourquoi... Oh. C'est un enfant? Oh, il va lui marcher dessus! Quoi? Ah, mais genre, ils sont habitués, en fait. Oh, putain, il y a encore un serpent. Oh, mais attends, parce que c'est lunaire, là, la réaction. Attends, c'est genre... Ah, mais eux, c'est genre... Oh, ouais, c'est une daronne qui a l'habitude, il y a zéro panique, quoi. C'est vraiment juste le quotidien, les serpents. C'est en mode, il y a un moustique, quoi. Il y a un moustique qui t'a réveillé la nuit. Nous, c'est le moustique, on n'en peut plus. Parce que là, le serpent, il flippe, en vrai. Là, tu vois, il tape vraiment un coup de flip, hein. Il tape un recul... Et ensuite, il essaye de la bouffer, non? Ce qui est bien, c'est qu'on voit l'œil, là. Il fait quoi avec? Ah, ah, mais ça bouge. C'est comme un chat. Là, il se dit, putain, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y va, là. Oh! Mais on voit pas bien à quel moment il s'arrête dans son... C'est pas le sien. Oh, je pense que c'est son... Je pense que... Et là, il est juste... Bon, oh, Albert. Et il se casse. Oh, mais l'angoisse. Oh non, elle est détente, hein. Oh, des petits... Oh, des petits loups. Hein? Ah, ils ont fait genre une peluche? Il peut pas durer longtemps, les loups tuent les louveteaux étrangers. Ah, ils ont fait une peluche pour voir... Ouais, comment c'est beau, un loup aussi. Comment c'est beau. C'est vrai qu'il est, il est cursed, hein, le truc. Le truc, c'est-à-dire que... Juste... Parce que là, les... Eh, c'est trop mignon, les petits... Louveteau et tout. Là, ça va à peu près, mais ici, avec. Comme c'est une caméra. Ils vont le démolir, genre. Ah, il fait des petits bruits de loup ou quoi. Ouah, c'est majestueux le loup. Ouah, c'est incroyable par contre, comme truc scientifique. Elle se demande. Ils ont fait une émission avec plein d'animaux comme ça. Ah, elle lui pisse dessus. Ah putain. Ah, ils savent faire. Oh là là. Ah ben eux, du coup, ils se disent leur mère a pissé dessus, donc... Bah après, normalement, il était censé se faire bouffer. Hein. Là, elle lui pisse seulement dessus, c'est bénef. Hein. Oh mais les petits... Moi, vous trouvez pas ça trop mignon? Bah de toute façon, les bébés animaux, généralement, c'est vraiment incroyable. Mais les bébés loups... J'allais dire, regardez comment c'est beau, il y a eu lui qui... Regarde comment c'est tout mignon. Oh, c'est des petites... Oh non, le petit loup. Il a pris le mur. Et qu'est-ce qu'il y a? Les moustiques deviennent un problème. Bah oui, c'est un cauchemar, même. Oh non. On a les mêmes problèmes que vous. Oh non. Une nuit peut être dévastatrice. Ah ouais, c'est horrible, ils se font démolir. Il part pas en courant, genre. Oh, mais j'ai envie qu'on regarde des trucs de loups toute notre vie, là. Oh, les petits bruits de louveteaux. Qu'est-ce que c'est que ça, là, du coup? Oh, des petits chats. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de chat. Ah, j'ai vu, bah c'est récent, ça. Je crois que c'était en Ukraine, non? Oula. Ah, c'est des corgis, ça. Oh non, mais le chien. Mais c'est quoi, c'est ça, là encore? C'est un serpent, mais il est obèse. Oh, il lui marche dessus. Oh, ils ont pas conscience, hein. Mais c'était quoi le truc? Ça va trop vite là, des extraits. On veut des extraits plus longs. Mais le chien, ouais, il l'a pas vu ou. C'est quoi? C'est un énorme python. La tête, elle est où là? Ici? Parce que là, le serpent, gros, c'est incroyable. C'est un tuyau d'arrosage le truc là. C'est...
Il a mangé un gros bail. Un serpent qui digère, il vient de grailler. Mais comment ça, comment ils font pour genre... Parce que les serpents, ils sont, en fait, ils avalent quasiment... Enfin, je sais pas si c'est les pitons ou pas qui font ça. Mais ils... Genre, ils engloutissent, quoi, non? Ils mâchent pas ni rien. C'est quoi, en gros, ils ont des sucs, de l'acide dans leur intestin qui fait que ça... Ça détruit tout, quoi, en gros. Ils gobent et ils digèrent. Ah, c'est tous les serpents qui font la même. Mais il n'y a pas un moment où, du coup, entre guillemets, s'il a bouffé un chien, tu vois le chien à travers, quoi? Parce que là, comment il a bouffé autant, quoi? Pour que ça soit dans toute la longueur. Peu d'animaux mâchent, by the way. Bah, les loups et tout. Non, ils déchiquent, les loups. Ah, ouais, au début, et ensuite, le truc, ça se... Il se gonfle pour faire peur. Ses muscles, ensuite, ils compressent le truc pour que ça puisse passer, quoi. Ok. Putain, là, c'est juste un dodane, là. Le chien... Je pense que c'est un chien errant, tu vois. Petite analyse que je me permets comme ça. À vue de nez, hein. Je suis pas expert après en canidé, mais... Comme ça, je dirais que... Ouais, il faut avoir des molaires pour mâcher. C'est pas con. Hein. Là, quand t'as deux crocs... Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est un petit pivert qui... Oh, Woody Woodpecker. Mon daron, il regardait ça. Il a décidé de casser... Oh, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, c'est fini déjà? Mais attendez, là, on a une esponde. C'est très beau ce qu'on va voir après, mais... Qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est quoi comme... un Ouistiti? Un petit... C'est un bébé Ouistiti, ça? Bébé Ouistiti. Bébé Ouistiti, trop mignon! Ah oui, ça a l'air d'être ça. Ah, mais vraiment jeune, par contre. Ah ouais, vraiment, là, il a deux jours, là. Putain. Waouh. Incroyable. Oh. Oula. Oh, comment il est beau. Моя рыба, говорю. Моя. Лунка, моя рыба, моя. Mais c'est un type de... C'est un renard polaire, ça? Incroyable. C'est mignon. Il gratte, il demande. Et on voit le poisson. Allez, mange, mange. Là, il demande. Oh, lui, il prend un coup de boule, lui. Ah, boum, tiens, c'est gros molard. Gros molard, voilà. Directement. On est fan de poissons ici. On se sent... Pas fan de mon côté non plus. Plus important, vraiment, ce que j'aime le moins, c'est les... C'est quand même les piafs, hein, les oiseaux et tout. Mais c'est vrai que les poissons, bon, on n'a pas une connexion qui se crée de fou, quoi. Tu vois. Petit master en avait, il a eu du mal à les garder vivants, quoi. Donc bon, dans l'assiette. Pas vraiment d'interaction possible avec les poissons. Oui, c'est... Même le délire écaille et tout. Bon, je sais pas si, tu vois. Pas si on est super fan. Voilà, du riz, excellent. Je préfère les... Ah ouais? Est-ce que vous... Tiens, bonne question. Est-ce que vous préférez les oiseaux aux poissons ou l'inverse? Moi, je pense que je mettrais quand même les poissons devant les oiseaux, tu vois. Après, hormis 2-3 types d'oiseaux, cool. Mais... Ah, les oiseaux? Ah, vous êtes... Vous aimez bien les oiseaux, vous? Mais genre... Parce que les oiseaux, ils ont ça, quoi. Ça, c'est quand même quelque chose qui... Tiens... Ah, des griffes de pigeon, là. Ça fait longtemps que vous n'avez peut-être pas vu de griffes de... Des cerfs. Ouais, je... Ah, ça, là. Ce truc-là, là, ça... Ça vous... Ça... Moi, ça... Non, tu vois, ça... Cerf de jardin. Ouais, non, ça, tu vois, ils comprennent pas, quoi. Ça me choque pas. Ah, moi, ça me dégoûte. Vraiment, les... Ça me crée un truc, ça me... Ça, là, ça me fait un truc, tu vois. C'est stylé de fou. Ah ouais? Ah, moi, je sais pas, j'ai un blocage, je crois. Après, c'est pareil, tu vois, un petit oiseau comme ça, c'est mignon, on va pas se mentir. Tu vois, je suis pas...
Ah, ça, sale bête, là. Ah, pardon. Truc de dinosaure. Bah voilà, laisse-le. Oh là là, l'enfer, l'enfer. Ah, oh, quelle idée. Oh, une petite tortue. Oh, elle l'a checké. Genre, il kiffe, genre, il touche pas. Là, il allait le rechoper, là. Il allait le remettre, hein. Lui, il allait le remettre, là. Il était pas en mode je veux que le truc se barre, quoi. Il était juste en mode putain, pourquoi il s'est barré. Mais que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? Je viens de prendre un strike sur Twitch, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, excusez-moi. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. Arrêt sur image fort. Là, on est bien. Là. Attendez, deux secondes, je vais vérifier un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Je sais pas, j'ai reçu une notif en mode audio détecté sur plusieurs de vos rediffs. En mode une notif, c'est la première fois que j'ai ça. Ok. Ok. Bah, profitons de nos derniers moments. Profitons. Oh non, bah lui, c'est juste fait kick, le pauvre. Ah, lui, c'est... Roba a eu la même notif. T'es pas le streamer à qui c'est arrivé. Ah, il te prévient. De toute façon, en fait, sur tes rediffs, quand c'est copyright, il te bloque aussi le son. Donc, Zera, pareil. Oh, bah ça va, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est quoi? C'était quoi? Non, mais ça, c'est terrible, ça. Lui, il prend un coup, lui. Un opossum. Ouais, foutu la merde. Dinguerie qui ouvre. Ah, c'est là qu'il y a des... Ah, il y a des gens, ils détestent les chiens. Oh non, le pauvre. Ah, oh, mais livreur, ça doit pas être simple quand tu détestes les chiens. Ah ouais, mauvais métier, là. Un mauvais métier pour lui, parce que... Ouais, c'est vrai que c'est des gros chiens, par contre, les propriétaires. Les propriétaires, frérot, il va pas te manger. Non, mais il y a des gens, ils sont en panique. Tu peux pas les... Tu vois, tu peux pas dire à quelqu'un... Le chien veut jouer, il abuse. Non, mais... T'as des gens... Il y a pas des gens... Il doit y avoir des gens qui ont trop peur des chiens. Tu vois, un changement d'ambiance. Quoi, il y a un dromadaire? C'est un chameau ou un dromadaire? C'est lequel qui a deux bosses? Chameau, c'est deux bosses. Dromadaire, c'est un. Ok. Putain, j'avais appris, je crois que c'était dans Popcorn, je sais plus quoi. En fait, c'est du cartilage, la bosse des chameaux et dromadaires, du coup. Dans le truc. Chameau, deux syllabes, donc deux bosses. Pff, magnifique. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit... C'est un chat qui a caché sa tête? Oh. Oula. Oh, Ouna, t'es où, Ouna? J'ai envie de te faire un câlin. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, le petit serpent. Ah ouais, pareil. Tu as ce truc-là, là. Il est marrant, lui. C'est de la graisse. C'est pas du cartilage? Je suis abattu. Du gras, surtout. Oh, il lui a mis un coup de harpon. Vraiment, là? Holy shit! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fausse vidéo. C'est du fake, ça?
passion Hollywood. Non mais est-ce que si vous dites fake, il faut que ça soit un truc genre acté que c'est fake, tu vois. Pas genre ouais fake 100% ou quoi, tu vois. Genre il faut que c'est une pub pour GoPro. Ah, tu vois, ça c'est une bonne ça c'est une bonne info, tu vois, par exemple. Parce que sinon, dès que les gens ont un doute, ils disent fake, mais du coup, on sait jamais. Fake, j'ai tapé fake, putain. Pub GoPro Shark. GoPro Awards, Great Shike, j'ai... Et du coup, GoPro, ils ont fait une vidéo, un spot publicitaire en mode... Tu vois, mais quand vous me donnez l'info avec fake, c'est parfait. Juste quand c'est juste... Parce que souvent, les gens sont en mode... Vous avez déjà fait de la plongée ? Moi j'en ai fait une fois, ça m'a niqué les tympans. En fait, sous l'eau, t'as vraiment l'impression d'être impuissant, quoi. Ah, white, aucun blanc, quoi. Encore une fois, je suis dispo, hein, si jamais il y a besoin. Oh, l'enfer. GoPro Awards, mais c'est peut-être juste une vidéo qui a été récompensée à base de... An extremely close encounter with the great white shark off the coast of South Africa. Non, c'est juste qu'en gros, du coup, c'est des vidéos où ils font des GoPro Awards, je pense, mais... Non, c'est vrai de A à Z, quoi. C'est juste... C'est juste en gros derrière ils doivent faire des awards, des trucs filmés à la GoPro quoi. Donc ouais non c'est 100% vrai quoi. Donc merci pour la trad. Pas de problème. Hein. Donc pas fake ouais. Non parce que c'est vrai que sinon dès qu'il y a des trucs parfois et tout. Moi je veux. T'es en recommandation GG. Putain c'est magnifique quoi. C'est pas beau ça. Non mais c'est vrai, quand vous dites fake, je veux juste une source, sinon on s'en sort jamais et t'as toujours le doute et tout quoi. Oh, c'est pas magnifique ça. Enfin en vidéo mais... C'est quoi ça, c'est un panthère des neiges, léopard des neiges, non un truc. Oh mais c'est sublime. Oh là, ouais petite patate. Il vient de chercher tout de suite. Hop là, il vient de chercher, il te graille. C'est sublime ça. On met un petit coup. C'est sublime, cet animal. C'est vraiment, mais... C'est magnifique, quoi. Mais comment c'est beau. Ouais, c'est un truc posé en mode caméra. Ah ouais, c'est... Il a un smile sur le dos. Ouais, t'as acheté. Des rosettes. Ah, c'est sublime. Oh non. Ah ouais. Oh, c'est un cobra. C'est pas un cobra, quand même. Je le vois gonfler, là. Je vois qu'il est gonflé, là. Ah, il est gonflé, ça. Mais what? Oh, mais attends, madame. Oh. Mais c'est... Très très détente comme réaction. Wow, mais t'as que des images de fou. Mais la réaction est honnêtement, elle l'a pas vu. Ouais, non, elle l'a pas vu. Mais le cri, ça, moi, c'est le cri que je fais quand je meurs sur un jeu, tu vois déjà. Donc, hop, je suis sur LOL, clac, j'avais pas vu le gank, boum, petit cri comme ça. Je vois un cobra face à moi. Je, c'est terminé. Cobra crasher, PA. Comment ça, Cobra Crasher? C'est un nouveau truc encore, ça, ils viennent de le sortir? Le Cobra Crasher, qu'est-ce qu'il fait, le Cobra Crasher? On imagine qu'il crache, mais... Le nom vernaculaire d'une certaine espèce de serpent qui projette leur venin à distance. Oh, mais alors ça, c'est... Pire que tout, ce truc. Il n'a même pas besoin de te toucher, il peut juste te shooter de loin, quoi. Oh, l'extension de ouf. L'extension est dingue, hein, quand même, hein. On le voit cracher sur la vidéo. Ah bon? Ah, il tente de mettre un shot, genre? On le voit cracher quand, là? Là, il est là, là?
Ah, il tente, on le voit shoot. Il prend son shoot à 3 points. Ah, il a pris son shoot, quoi. Ouah, et ça, c'est un orc. L'enfer. T'es au milieu de la mer. Et t'es juste en mode, j'espère que c'est un gentil. Wow. Ah oui, c'est une, pardon. Chaque fois, mais j'ai... Je fais souvent les mêmes erreurs, moi. Oh, c'est joli comme vidéo. Oh, lui, c'est Anderson, non? Je sais plus comment il s'appelle, lui. Richard... C'est pas Richard Anderson ou je sais plus comment il s'appelle, lui? Kevin Anderson? Ouais, le Lion Whisperer. Richardson. Bon. Eh, pour monsieur à peu près, c'était pas si mal. Ni le prénom, ni le nom. J'avais son. C'est fou, ça. Non, mais ces vidéos-là, c'est... Ça, c'est dingue, ça. Imagine, tu fais un câlin, genre un lion et une lionne. Mais lui, il remet grave les hyènes sur le devant de la scène. Voilà. C'est genre lui, je sais qu'en fait, il est pote aussi avec des... Bah, avec des hyènes aussi, en fait. Wild Animals are not pet. C'est le top, hein. Là, on va chercher de... How to move a léopard. Oh là là. Lion s'attaque car full of people. Oh, lion hugging. On se met un petit lion hugging quand même. Oh. Bah, c'est sublime. Mais là, ça n'existe pas une orque méchante. Ah, mais j'ai lu là une stat comme quoi il y avait zéro orque. Enfin, mort d'humain par des orques. Sauvage. Parce que normalement, lui, là, juste parce que là, on les voit en cage et tout, je crois que lui, en fait, il est dans une réserve. Et en fait, je crois qu'il est... Orques sauvages. Non, mais je te parle pas des trucs de SeaWorld et tout, hein, je te parle des orques dans la vie, quoi. Tu vois, genre, pas... Quoi qu'il arrive, les animaux qui sont en captivité, forcément, ils pètent des câbles, etc., quoi, tu vois, donc... Et en gros... Il est dans une réserve, ouais. Un sanctuaire, sûrement. Ah, moi, je crois que si... Imaginez un animal sauvage, c'est lequel que vous choisissez, c'est irréel, hein, mais pour faire un câlin. Genre, tu peux avoir un tigre, tu peux avoir une panthère, tu vois, genre... ouais, même une baleine, tu vois, genre... un loup, tu vois, un ours aussi. Ours, c'est... Moi, je pense que c'est lion. Je pense que c'est lion, 100%. Je kiffe trop les lions. Même si toutes les propositions, là, ce qu'on a vu, Léopard des Neiges et tout, c'est... Oh. Je me suis tellement tué à toutes ces vidéos. Un maxi panda, ah ouais. Un panda roux, oh, trop mignon. Pride mate, Ginny, a little bit more slender, and he's more interested in finding out what's going on out there. Regarde le félin le plus meurtrier, tu vas être surpris. C'est quoi? Oh ouais. Oh là là, loulou, oh le loulou, oh le loulou, il a passé une grosse journée. Really sweet lion. He's just amazing to walk with and to be around. Let's go. Un petit pingouin. Ouais, j'ai vu la vidéo des pandas roux qui se battent dans la neige. Died when he was a little bit older than, I suppose, about 15 months. And merde, son petit frère qui est mort, je crois, parce que j'ai compris. After my former dad, Bayetsi, just mourned and mourned and mourned like I've never heard a lion do that before. Sometimes lions lose litter mates and they get over it pretty quickly.
But with Vietti's case, he just continued to mourn. To such an extent, we eventually... Tout mourne, c'est genre tout pleurer, entre guillemets. Genre il a perdu son frère et ça a continué à le rendre triste, un truc comme ça. Parce que j'ai pas tout entendu. Ah, mourne, c'est faire le deuil, ok. Merci, Zef. Zef, pardon. Oh ouais, nous on voulait du câlin de... On voulait du câlin de Lyon, là. Oh, de la petite bagarre. T'es là, tu te... En petite bagarre avec ton... Ta pote, la Lyon, quoi. Oh, tu déconnes. Oh, arrête. Eh, hey, doucement. Ah, ah. Tu me manges. Tu es en train de me manger. Oh là là, ça c'est fou. Et non, et lui, il faisait des trucs avec... avec des hyènes aussi. Ça se dit comment? Yéna? Ah, Yéna. Do Yéna's love. Et en fait, il dit qu'elles sont gentilles, les hyènes, quoi. C'est juste dans leur nature, c'est un peu des... c'est un peu des vautours, quoi, mais... Entre 3 et 6 kilos de viande par jour? Ouais, des charognards, exactement, merci. C'est pas hyper beau quoi les hyènes, c'est pas... Ah tu sais, ça manque d'un truc au-dessus, ça... Un peu court sur pattes, mais c'est pas... C'est pas méchante quoi. 2-0 pour Madrid tous les deux. Du Karim. Ah là, elles se font leur kiff quoi. Ouais, elles sont contentes. Oh mais tu vois là, ça a l'air... Là ça a l'air gentil quoi, tu vois. Là t'es en mode bon bah pourquoi pas. Mais le roi lion, ça les a fumés, hein. C'est vrai que ça... Le cœur abaissé, c'est nonchalant. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Ah, putain, rien, là. Ah ouais, non, mais... Oh, le... Oh, la grosse hyène. Niveau poids, puissance, mâchoire, personne teste les hyènes. C'est elle qui faisait ça ou lui, là? Ça... Bah, c'est vrai que c'est pas le plus bel animal, quoi, tu vois. T'es pas en dinguerie, quoi. Ah, c'est lui, ouais. Ah, il a fait avec les bruits. Back country road. On est où, là? Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi, ça? Oh, c'est des loups! Tant t'es en caisse là au Canada ou je ne sais où, et t'as une meute de loups qui est en train de cavaler. Dont deux qui sortent. Une attaque de loups. Mais c'est pas du tout une meute de loups, putain. Moi j'ai fait un truc où ça y est, on était dans un Disney et tout. C'est juste un loup qui pourchasse d'autres animaux en fait. Il y a le loup qui pourchasse le troupeau. Ah, moi j'ai créé un truc. J'étais en mode, oh, regardez la meute de loups qui est en train de se déplacer. Il y a juste un mec qui a faim de fou. Il est en train de chasser. Ah ouais, moi j'étais, pardon, j'ai romancé le truc là. Je vais t'embaucher par Disney Plus là. Ah ouais, non, bon. Bon bah c'est fini hein, pour... Ah putain. Eh, je jure, ils ont coupé. Eh, meuf, elle a lâché un... Stop! Please stop! Oh shit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais putain, mais c'est dingue. C'est des chameaux? C'est fou. Oh, salut. Salut mon pote. Comment ça va mon pote? Petit castor. Il va faire son petit barrage. C'est une marmotte ou un castor? A bone-chilling moment. A woman on horseback is stalked by a wolf. Waouh. C'est mignon en vidéo quoi. C'est une finlandaise. Mais tu pars pas au galop là? Parce que le loup tu le traces en cheval. Oh, deux bobcats. Ah, c'est vraiment l'animal d'Amérique du Nord, ça.
Non, tu le traces pas. Have you ever wondered if cheetahs purr? Oh là là. I just want to tag your baby. Come on. L'éleveur. Be nice. Be nice. It's okay. I'm going to tag calves. And a cow just wants to eat you. I just want to tag your baby. Elle est vénère. Elle est vénère. Oh la rencontre. Ah ouais, quand même. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Okay. Tout doux, hein. Dozer, come here. Oh God. Qu'est-ce qu'elle fait, la biche, là? Mais comment depuis... C'est agressif, les biches? Dozer, Everest, come here. Everest, no. Oh là là, elle va prendre un coup de... Waouh, elle a des grandes pattes, hein. Come on, come on. Ah, parce qu'elle protège le bébé, elle protège son petit. Ouais, mais elle a pas la notion de propriété privée et tout, elle. Oh, ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est fou, ça. Il y a l'ours qui fait le bus pour son petit, quoi. Non, mais ça, c'est incroyable. Tranquille. Petit sac à dos. Bam, bam. Non, c'est pas vu, il fait quoi? C'est trop chou. Voilà, elle va pas être contente. C'est bon, en tant que parisien, là, voir des vaches, etc., c'est comme les guépards. Hein, ça. C'est même dépaysement. Ah ouais, voilà. Le démarre. Mais va-t'en, bah, le truc, c'est que c'est un éleveur, quoi, donc. Ça se passe bien? Wow. Oh, le petit homme! Ah, t'as pas un... C'est incroyable! Ah, c'est vraiment... Ah, le petit homme qui se lève! Alors, y'a quoi? Ah non, rentre, 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 mon fils. Rentre, chérie. Ça vaut pas la peine. Allez, rentre! Il voulait vivre. Oh, quand il se lève! Oh. Attends, parce que l'autre, il est du père, là-bas. On se remet juste quand il se lève, là. T'es à ce bout-là. Alors, tu sais, il s'appuie et tout. Oh, hein. Petit homme en fin de soirée. Oh my God, Larkin, here's the mama. Larkin. Ah, lui, il y a du bruit, il y a de la lumière. Allez, rentre, c'est fini. La fierté du petit... Oh non. Oh, machette, hein. Machette. Je suis désolé, hein. En plus, il a peur, le truc. Non, le truc a peur, il veut pas de mal. Oh, il veut pas de mal, machette! Sur ta gosse, machette! Direct! Ah, oh, attends! Ah ouais, moi, je suis là, il veut pas de mal, il veut pas de mal. Machette, hein! Ah, il y a des pays, je pense, faut être en machette. Elle lui marche dessus. Ouais, mais quand c'est ta fille, machette. C'est triste, mais elle marche dessus, wesh. Mais quand même, quand... tu vois, petit réflexe. Ouais, il a mis un petit coup de réflexe, quoi, mais... Non, moi, c'est vrai que réaction de défense, PA, c'est normal. Je pense avec ton gosse, t'es forcément matrixé, quoi. T'es forcément matrixé, quoi. Donc, tu vois, ensuite, tu débriefes avec ta fille, mais... Ensuite, tu vois là, c'est un petit coup de machette. Peut-être un autre en vrai. Non, on va pas s'en mettre un de plus là. Là, en vrai, c'était bien sympa. On s'est fait... on a découvert plein d'animaux. Priorité à droite aussi. Ouais, en vrai, j'ai envie de lui dire qu'il se jette sous ses pieds. Ensuite, il y a toute l'affaire de constat, etc. qui veut aller gratter les assurances.